Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de janvier et février. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue avec vous les natifs du cancer. Et comme toujours, je précise que c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui t'aide à faire un choix, à comprendre potentiellement une situation, mais surtout prends ce qui t'aide à avancer, d'accord? À t'élever et à ne plus avoir un sentiment potentiel de stagnation, ok? Je t'encourage aussi à visionner la guidance, notamment qui concerne ton ascendant, qui peut te donner des pistes complémentaires pour pouvoir avancer aussi sur ton parcours amoureux. D'accord? Allez, ami cancer, qu'est-ce qui se passe pour toi sur janvier, février? Ah, on te parle de reconnaissance. C'est un besoin de reconnaissance. Il y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin d'amour, il y a un besoin de tendresse, il y a un besoin qui est tout à fait légitime, hein, de toute façon, un besoin de mieux être. Alors on est vraiment en train de te dire qu'effectivement il y a quelque chose qui a bloqué pendant un moment, mais en termes, j'ai l'impression que de ce qui ressort ici, pour ceux qui sont engagés avec quelqu'un, ou même ceux qui sont célibataires et qui ont essayé de construire quelque chose avec quelqu'un, on est en train de te dire en fait que tu as peut-être été par le passé un petit peu trop dans le besoin de preuves d'amour, de preuves, de gestes d'attention, de ce qui apparaît pour toi une preuve tangible en fait pour pouvoir te donner confiance et pour pouvoir te conforter dans l'idée que tu peux te projeter sans risque. Tu as eu besoin de beaucoup, beaucoup de garanties. Ce qui fait que, c'est pas qu'on n'a pas voulu te les donner, mais pour certains d'entre vous, on n'a pas compris, en fait, cette demande. Il y a eu une mauvaise communication, il y a quelque chose là qui fait que... Ça a un petit peu dévié, mais c'est pas définitif, attention, là tout peut s'arranger. Pour certains d'entre vous qui sont engagés, on te demande, c'est à toi qu'on demande des preuves. Sur janvier, février, c'est à toi qu'on demande de t'investir, c'est à toi qu'on demande... Et quelque part, c'est comme si en fait vous étiez tous les deux dans ces mêmes insécurités émotionnelles, tout à fait compréhensibles, hein, d'accord? Tout à fait compréhensibles. Ouais, il y a une hésitation, hein? Il y a une hésitation à s'engager, il y a une hésitation à la meilleure façon d'exprimer en fait ses besoins, ses attentes, ses appréhensions. Pour certains, alors c'est fou parce que pour certains, tu es sûr de ton engagement avec cette personne, c'est avec cette personne que tu es bien, que tu trouves le bonheur, mais quelque part, c'est comme si soit on te pressait trop pour t'engager ou pour montrer que tu étais là, soit... Au fond de toi, tu as l'impression qu'en fait, le projet qu'on essaye de t'imposer, entre guillemets, ne te correspond pas complètement parce que finalement, tu n'as pas forcément eu ton mot à dire sur ça, ok? Il y a des éclaircissements qui arrivent, hein, ok? Mais sur janvier, février, effectivement, tu risques de ne pas trop savoir sur quel pied danser pour ceux qui sont dans cette situation-là. Tu risques de ne pas trop savoir sur quel pied danser, mais encore une fois, rien de grave, ok? C'est des petites vagues comme ça qui arrivent sur le long cours de ton histoire avec cette personne. Tout va bien se passer. Les perturbations, ça fait partie du parcours, ok? Pour d'autres... qui sont célibataires ou en tout cas qui ont quelqu'un dans la tête. Et effectivement, pour d'autres, il y en a qui ressortent ici avec quelqu'un dans les pensées, quelqu'un dont tu t'es potentiellement éloigné ou cette personne s'est éloignée de toi. Il y a eu quelque chose de douloureux hein, par le passé. Il y a eu quelque chose de ouf. Il y a possiblement une triangulaire, d'ailleurs, possiblement une triangulaire ou des contraintes familiales, des obligations familiales qui ont fait que l'un de vous deux, en fait, a délaissé l'autre ou a donné ce sentiment d'abandonner ou de délaisser l'autre au profit d'obligations familiales qui, encore une fois, peuvent se comprendre aussi avec le recul. Il y a une hésitation quand même, hein. Cette personne elle occupe ton esprit sur janvier-février, hein. Elle occupe ton esprit, elle occupe tes pensées, mais de toute façon, dans tous les cas que je viens de t'énoncer, et même dans celui-là, l'heure est à la réflexion, d'accord? On ne s'engage pas, on est en phase d'observation, on n'essaye même pas de se projeter plus que de raison en fait, on essaye de se canaliser, on essaye de se cadrer. Là, pour le coup, ton côté émotionnel est mis un petit peu de côté. C'est-à-dire que tu cherches vraiment sur janvier-février à avoir de vrais
garantie, mais quelque part, l'univers te pousse à te poser de bonnes questions. Tu vois, dans les deux cas, dans tous les cas, de toute façon, il n'y en a pas que deux là que je viens de soulever, dans tous les cas, on est vraiment en train de te confirmer que tu es sur la bonne voie, d'accord? Tu es sur le bon chemin. Tu n'es pas en train de faire de mauvais choix. Petit cas particulier pour ceux qui ont quelqu'un dans les pensées, effectivement, on est en train de te dire que si cette personne est dans tes pensées, c'est parce que tu as au fond de toi la sensation qu'effectivement quelque chose n'est pas terminé, ok? Tu sais pas comment faire, tu sais pas comment appréhender les choses, tu sais pas comment amener la situation, et il y a un sentiment de culpabilité. Si c'est toi qui t'es éloigné, il y a un sentiment de culpabilité de ta part, sur lequel on t'invite à réfléchir en fait, hein, et que c'est visiblement quelque chose que toute une vague d'émotions, tout un panel d'émotions, pourtant positives et intenses, hein, qui t'auraient amené à grandir, que tu as mise potentiellement de côté, voilà, pour ce qui te paraissait plus important, plus immédiat. Si c'est toi qui t'es senti délaissé parce que c'est l'autre personne qui est partie, on est dans le même cas de figure, d'accord? Cette personne repense à toi, de toute façon elle t'a jamais oublié, et vous avez marqué la mémoire de l'un et de l'autre en fait, hein, vous avez marqué le cœur de l'un et de l'autre. Mais tu vois, on a la reine de coupe qui apparaît en énergie dominante, mais à l'envers. C'est pour ça que je te dis que ton côté émotionnel sur janvier-février sera beaucoup moins écouté, ton intuition sera beaucoup moins écoutée que le mental, la raison, d'accord? Et pour certains, l'ego aussi, hein, et quelque part aussi certaines insécurités émotionnelles, un besoin d'amour, un besoin de tendresse, ce sont des messages quand même assez spécifiques, hein, qui s'adressent ici. Mais parce qu'en fait, on veut te réassurer sur le fait que tu peux construire la vie que tu souhaites, la vie amoureuse que tu souhaites. Tu peux, visiblement de ce qui ressort ici, et ça va t'étonner, mais ça ressort, tu peux, pour les célibataires, provoquer la rencontre qui déclenchera en fait toutes les choses positives que tu souhaites mettre en place dans ta vie. Tu vois, que tu aies quelqu'un dans tes pensées ou pas. Tu vois, il y en a qui n'ont personne encore dans les pensées et il y a quelque chose qui va se débloquer, mais tu vas rester comme ça sur la réserve et tu vas observer. Ceux qui ont quelqu'un encore en pensée, il y a des doutes, hein, il y a des gros doutes, hein, mais il y a des gros doutes, et sache qu'en fait cette personne soit entend régulièrement parler de toi ou soit a entendu des choses à ton sujet qui ne sont pas forcément vraies et qui de toute façon n'étaient pas flatteuses. Donc il y a eu des jalousies autour de vous, il y a eu des convoitises, il y a eu des manipulations, et si c'est toi qui t'es éloigné, il y a eu une petite manipulation émotionnelle, peut-être un chantage affectif à ce moment-là de ton côté, ok, quelque chose qu'on aurait exercé sur toi en fait pour essayer d'avoir raison, et puis pour essayer en fait de t'amener sur le chemin qu'on voulait te faire emprunter. Et visiblement ça arrive aussi, hein, parce qu'on a appuyé, ben, là où ça faisait mal, on a appuyé sur la corde sensible, et pour certains d'entre vous on a appuyé sur la notion soit d'insécurité émotionnelle, soit de responsabilité familiale, donc peut-être la présence d'enfants ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, mais il n'y a pas eu de discussion, tu vois, par rapport à tout ça, il n'y a pas eu d'échange plus approfondi, il n'y a pas eu de... c'est ça. Ouh, tu t'enfermes sur janvier-février, on est têtu, hein, ami cancer, là, on est têtu. Ouais, on est en phase d'observation, on observe, on est... En fait, t'as pas forcément été échaudé par ton passé, t'as pas forcément de rancœur envers qui que ce soit du passé, voire même une personne de ton présent, tu vois. Ceux qui sont engagés avec quelqu'un, encore une fois, et avec qui ça se passe bien, il y a juste une communication qui risque d'être un petit peu mise à mal sur janvier-février, mais ça va bien se rétablir, hein. Ça va bien se rétablir. Mais effectivement, il y a comme une impression en général de subir... Pour ceux qui sont engagés aussi, il y a comme une impression générale, en fait, sur janvier-février, de ne pas pouvoir suivre la cadence, hein. C'est comme si en face de toi, on allait prendre les rênes, on allait prendre les commandes et dire, voilà, on fait ça, on construit ça, on fait ça, des projets de vie, des projets de famille, des machins, des trucs, j'ai établi des deadlines, c'est carré, voilà, à tel moment donné de notre vie, il faut qu'on ait fait ça, il faut qu'on enclenche ça, il faut... Le truc pas du tout stressant au possible, hein, parce que toi, t'as besoin de respirer.
t'as besoin de respirer en fait. T'as besoin de prendre, pas forcément prendre le large. Quand je dis prendre le large, c'est avoir un petit peu de calme en fait. Sauf que je te sens très entourée sur janvier-février. Voilà, t'es dans le, et puis t'es dans les pensées, t'es dans les croyances limitantes, tu vois. T'es dans les peurs, t'es dans les angoisses, t'es dans la prédétermination, le fatalisme. Pour ceux qui ont quelqu'un dans les pensées, petit mood hein, quand même, hein, petite humeur, hein, si c'est toi en fait qui a délaissé cette personne, tu l'as encore en pensée, mais il y a un sentiment de culpabilité de l'avoir délaissé, et en plus, tu risques de te persuader en fait que cette personne a forcément repris sa vie en main, ou fait forcément de nombreuses rencontres, ou a forcément beaucoup beaucoup de succès. Ou inversement, hein, d'accord? Si c'est cette personne qui t'a délaissé, c'est elle qui pense comme ça, en fait. C'est elle qui pense qu'en fait, que ben, visiblement, t'as l'air de vivre ta meilleure vie. Tu vois? Donc, c'est aussi en ça qu'entre le problème de communication. Tu vois? C'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été posées. Il y a des choses qui n'ont pas été définies. On n'a pas posé de mots sur les choses vraiment importantes, sur les choses vraiment profondes, les sentiments profonds et surtout sincères, authentiques. Tu vois? Alors, sur janvier-février, il risque d'y avoir un petit ralentissement pour certains d'entre vous au niveau professionnel. Comme s'il allait y avoir un compromis difficile à faire avec le conjoint ou la conjointe par rapport à un projet professionnel qui pourrait t'éloigner au niveau géographique. Et c'est comme si, en fait, la personne en face de toi n'allait pas être d'accord. Alors, on ne te parle pas d'un éloignement sur du long terme, on te parle en fait de déplacements quotidiens. Des déplacements quotidiens qui risquent de déplaire parce que c'est comme si elle en avait déjà. Tu vois, et c'est comme si cette personne allait te dire non mais tu t'en fais déjà assez en fait, pourquoi tu fais ça. Du coup, c'est un projet quand même professionnel qui pourrait te tenir à cœur, mais sur janvier février ça va être difficile en fait. C'est en ça aussi que la communication avec monsieur ou madame risque d'être un petit peu biaisée. C'est parce que tu vas avoir du mal à t'affirmer en fait, hein. Tu vas avoir du mal à t'affirmer, et pourtant il y a quand même une belle évolution, hein. Dans tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, il y a quand même une belle évolution avec une forte détermination en fait à croire en ton potentiel, à croire en la possibilité de créer et de faire naître en fait tout ce que tu souhaites. Mais effectivement, ça t'appelle à t'affirmer. Dans tous les cas là, ça t'appelle à t'affirmer. Et donc sur janvier-février, on va t'encourager à travailler sur ça. Donc en fait, c'est comme si l'univers allait te faire enchaîner les situations. Avec ton conjoint ou ta conjointe si t'en as un, ou dans d'autres cas de figure, ou des situations en fait qui vont te pousser à réfléchir sur ça, qui vont te pousser à t'affirmer d'une façon ou d'une autre en fait, tu vois, toujours en bonne intelligence, mais toujours pour gagner clairvoyance dans tes pensées, dans ce que tu veux vraiment en fait, parce que tu t'es oublié quand même un petit peu, hein, jusqu'à présent, c'est ça, tu t'es oublié jusqu'à présent, et il y a une très très grande hésitation. Pour ceux qui ont quelqu'un du passé dans le cœur et dans la tête, il y a une très grande hésitation par rapport à cette personne. Hein. Par contre, effectivement, peut-être que l'entourage familial est un peu présent et un peu trop présent pour te permettre de prendre du recul. Il y a un entourage amical aussi dans lequel on t'encourage potentiellement à faire un petit peu de tri, parce que c'est comme si toi aussi, de ton côté, tu avais entendu des choses pas cool à son sujet et qui ne sont pas forcément vraies, qui ne sont pas forcément avérées ou qui ont été amplifiées. Tout ça pour juste alimenter des conflits, alimenter des clivages. C'est ça aussi qui risque d'alimenter en fait ce déterminisme et ce fatalisme, hein, d'accord, par rapport à cette situation. Mais pour l'instant, effectivement, tu vas comprendre que tu as un choix à faire, voire même plusieurs choix, tous qui se voudraient tous optimistes et bienveillants envers toi-même et envers potentiellement les personnes directement concernées, hein, de toute façon par ton évolution sentimentale. Mais encore une fois, tu manques d'assurance, tu manques de confiance en toi et tu es en phase d'apprentissage en fait. On est vraiment sur ça, c'est le message principal en fait de cette guidance, tu es en plein apprentissage. Ça. Tous les changements qui sont appelés à se mettre en place sur ta vie sentimentale sur 2023, on va élargir sur 2023, d'accord? On verra sur les guidances suivantes, mais bon. Sur janvier-février, on va t'encourager à réfléchir au bien fondé de ces projets.
Est-ce que ces projets t'appartiennent? Est-ce que ces envies t'appartiennent? Est-ce qu'elles collent directement à ta personnalité? Est-ce que tu as eu ton mot à dire pour ceux qui sont engagés? Comment est-ce que tu pourrais un petit peu équilibrer les énergies générales pour ceux qui sont engagés et avec qui la communication risque d'être un peu compliquée? Parce qu'encore une fois, en face de toi, on va vouloir passer non pas la seconde, mais la cinquième. Là, on est à fond. Sauf que toi, t'as du mal. T'as du mal émotionnellement, t'as du mal à t'y retrouver aussi. Parce que tu, au fond de toi, tu sais qu'en fait, ces projets ne t'appartiennent pas complètement parce que tu les as pas complètement décidés, parce que tu n'as pas spécialement réfléchi. On t'a avancé cette idée-là, tu t'es pas forcément prononcé et on a quand même mis en place ces projets. Ou en tout cas, sur ce début d'année, on va vouloir mettre en place ces projets. Que tu sois d'accord ou pas, parce qu'on va être, convaincu de toute façon que tu seras d'accord et que tu vas vouloir suivre la cadence. Au bout d'un moment, tu seras d'accord, tu voudras suivre la cadence. Mais à toi, après, de définir si tu restes dans cette impression de subir tout ça ou si tu exprimes un petit peu ce malaise qui peut tout à fait être compris avec le temps et avec beaucoup, beaucoup de patience. Pour ceux qui sont en réminiscence, en fait, d'une personne du passé, sache que cette personne pense aussi à toi. Cette personne essaye de grandir, cette personne essaye de se détacher, surtout si c'est toi qui t'es éloigné d'elle. Ok, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de questionnements, il y a eu beaucoup de remises en question, beaucoup de culpabilisation aussi, et beaucoup de rumeurs aussi. Donc en fait, tu vois, il y a tout plein d'énergies extérieures qui ont interféré et qui en fait ont gâché ce lien, ou en tout cas ont voulu gâcher ce lien. Encore une fois, on est en train de te répéter. Si tu es dans cette situation-là, c'est que quelque chose n'est pas terminé avec cette personne. Cette personne est convaincue de cette idée aussi, mais se retient en fait de rester dans cette détermination parce que ça lui fait mal, ok ? Si c'est toi qui as le sentiment d'avoir été délaissé, tu es visiblement dans cet état d'esprit sur ce début d'année. Mais il y a quand même un changement qui s'annonce, hein, de toute façon. Un changement d'état d'esprit, un changement de la vision des choses, un changement de perspective qui va faire basculer ces croyances limitantes vers un côté où elles prendront beaucoup moins de place, en fait. Ou en tout cas, elles auront beaucoup moins d'influence. Elles sont appelées à avoir beaucoup moins d'influence dans ta façon de penser, ta façon d'aborder ton devenir amoureux. Mais encore une fois, ça passe par quoi? Par l'affirmation de soi. Par l'affirmation de ses... L'affirmation de ses pensées, l'affirmation de sa sensibilité. Il y a des choses que tu as gardées très secrètes en toi et qu'on t'appelle vraiment à exprimer dès à présent, en fait. Tu vas pouvoir trouver les mots, tu vas pouvoir trouver le vocabulaire, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en fait, là, c'est ça. À trop vouloir te cacher derrière un masque pour différentes raisons qui encore une fois sont tout à fait compréhensibles, tu t'es perdu en fait, tu t'es effacé. Et là, on t'encourage en fait à te retrouver et à te dire ok, ben, je vais occuper ma place pleine et entière, je vais affirmer mes choix, je vais affirmer mes préférences. Je vais peut-être poser des intentions, des actions qui vont me faire avancer, qui vont me faire gagner en clairvoyance. Si tu as des questions à poser au sujet de quelqu'un que tu as dans le cœur, va directement poser ces questions à cette personne. De ce qui ressort ici, je rappelle que c'est général, hein, attention, hein, de ce qui ressort ici, cette personne te répondra. Mais à toi de voir après comment tu abordes tout ça. Okay ? Parce que quelque part, tu es en train de te fuir toi-même. C'est ça. T'es en train de te fuir toi-même, t'es en train de... Parce que tu n'as... Pour certains d'entre vous, tu t'es perdu dans divers schémas amoureux parce qu'il y a quelque chose que tu as vécu avec quelqu'un qui était très fort, qui était très intense, mais ça t'a fait peur. Ça t'a fait peur. Du coup, l'un de vous deux s'est éloigné, d'autant plus que, encore une fois, des obligations familiales, ou des enfants, ou des personnes à charge, en fait... sont entrés en ligne de compte, bien sûr, et ont orienté, bien sûr, le choix. Mais il y a quelque chose... Ah ben là, pour le coup, c'est pas moi qui le dis. Hein. Là, pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'est ça. On t'encourage vraiment à croire et à te convaincre, en fait, que ce bonheur-là, tu es légitime de le vivre. Tu es légitime. Alors ça...
Ça, c'est pour ceux qui se posent des questions par rapport à une personne qui les a déstabilisés. Et avec qui tu es peut-être engagé et avec qui tu es allé, si c'est toi qui es parti, avec qui tu es allé pour des obligations familiales ou quoi, hein. C'est un peu rude comme message, c'est un peu rude. Et pour certains, ça parle d'une nouvelle rencontre qui pourrait se mettre en place sur janvier-février. Et encore une fois, tu vas avoir des attentes, tu vas avoir des projections. Quelque part, tu vas avoir des espoirs, même si tu vas essayer de les canaliser. Et on est en train de te dire que c'est pas ton âme sœur. Donc ça veut dire que tu as encore, pour ceux qui sont célibataires, un petit peu de chemin à faire, ce qui n'est pas une fatalité d'ailleurs. Parce qu'on te dit que de toute façon, la routine va cesser. Quand on te parle de routine qui cesse, la rencontre par le travail pour les trois quarts d'entre vous, elle a déjà eu lieu. Hein. La relation discrète ou secrète, ça c'est le passé. Hein. Les mensonges, ça c'est le passé aussi. L'enfant intérieur avec la blessure de rejet, c'est maintenant. C'était hier, c'est maintenant et c'est pour demain aussi. Okay? C'est pour toi ça, hein, la blessure de rejet. Hein. C'est pour ça que tu n'es pas sûr. C'est pour ça que tu as besoin de sécurité. C'est pour ça que tu as besoin d'être rassuré. C'est pour ça que tu as besoin de te projeter. C'est pour ça que tu as besoin d'observer sur ce début d'année, sur tout ce que tous ceux qui t'approchent ont à t'offrir, en fait. Ok? Mais toi, en fait, on te rappelle que l'équilibre entre donner et recevoir est primordial pour pouvoir avancer, pour pouvoir gagner en clairvoyance et puis surtout pour arrêter d'avoir cette sensation de subir ta vie. Ok? Les attentes différentes pour l'écoute émotionnelle, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, là, on est vraiment en train de t'encourager à plonger en toi-même, en tes envies, dans ton cœur et tout ce que tu souhaites. Ok? C'est pas facile, hein? Mais c'est là. La fuite d'une relation, c'est pour ceux qui ont encore quelqu'un dans la tête, hein, qui ont encore quelqu'un en pensée. Ça revient, c'est la confirmation supplémentaire en fait que oui, effectivement, vous n'êtes pas forcément dit toutes les vérités, mais c'est plus des mensonges par omission que des mensonges à proprement dit en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément voulu froisser l'autre, vous n'avez pas forcément voulu, voilà, mais à force de trop prendre de précautions et de tourner autour du pot, finalement, on s'est rien dit. On s'est rien dit, on s'est pas compris et on s'est laissé comme ça, on s'est abandonné et puis en se disant advienne que pourra, il va falloir que je me relève. La fuite d'une relation, quand la carte tombe là, hein, ça te confirme que quelque chose n'est pas terminé avec cette personne. Tu vois? Donc, dans tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, en fait, là, on est vraiment en train de te dire regarde ce que tu veux, réfléchis vraiment à ce que tu veux et pose les intentions. Prends le temps de poser des actes en meilleure adéquation en fait avec qui tu es vraiment, est-ce que tu es heureux et est-ce que tu es logique en fait, est-ce que tu concordes entre tout ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, est-ce que tu ressens, est-ce que tu as l'impression qu'on te donne toute ta place, toute la parole dont tu as besoin pour pouvoir t'exprimer. En fait, on t'encourage à reprendre ta place. Voilà. T'as été trop longtemps sur le siège passager, maintenant on t'encourage à reprendre le volant, reprends les commandes. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir donner cette nouvelle impulsion sur 2023, nouvelle impulsion qui est synonyme de changement, hein, de toute façon. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, que tu sois engagé avec quelqu'un, que tu sois sûr, pas sûr, que tu es quelqu'un dans la peau, dans le cœur ou pas, ou que tu fasses des rencontres, il y a du changement qui s'annonce pour 2023. Mais là, sur janvier-février, tu es sur une introduction à ce changement. On te prépare. Pas forcément en douceur, c'est pas forcément l'impression que tu as, mais on te prépare à ce changement. On te prépare au changement de mindset là qui va être très très important pour toi et qui va être indispensable pour t'aider à avoir confiance en toi et travailler sur cette blessure de rejet qui est encore trop trop présente et qui biaise ton relationnel de toute façon, qui déforme ta vision des choses et qui te met en position de demande peut-être un peu trop forte, peut-être en dépendance aussi.
Ok? On t'encourage à essayer d'avoir une vue d'ensemble par rapport à tout ça. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous comme d'habitude et à activer la petite cloche. Et rejoignez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.